Félicitations à vous. Une vidéo un petit peu là pour parler du thème sur l'écriture. Ouais, je passe ça souvent. Très important pour moi, donc je vais la faire une bonne fois pour toutes pour être tranquille, me sentir libéré, pour la partager et voir vos avis, ce que vous en pensez, plus ou moins. Surtout pour avoir des réactions, peu importe, négatif, positif. Je ne perds pas de temps, je vous montre ça. Sur le sac habituel là qui m'aide. Ah, j'entends. Gros. Donc là-dedans, plein de cahiers. On va les sortir parce que je tiens à vous les montrer. Non, je ne vous en ai pas pris. Ça me tenait à cœur. D'ailleurs, quand je veux vous les montrer, c'est pour les montrer. C'est pour vous faire voir les différents types de modèles qu'on a. À moi. Voilà. Comme ça, grand, tu vois. Coloris, placement, des publicités et d'autres qui sont dedans. Bon. Stylo, bien sûr. Notre cahier. Des écrits, ils ne sont pas blindés non plus. Ah, voilà, bon. Bon, qu'est-ce que je vais vous raconter là? Que j'ai envie de vous partager, c'est pas ce que je note, que je prépare. C'est un truc qui est plus ou moins simple. Je suis dans ma main là, voyez là, un stylo, un big. C'est pas le choix du stylo non plus. C'est plutôt, je vous montre un exemple. C'est quand on commence un projet, on démarre quelque chose. C'est tout simple, hein. Je vous montre deux exemples sur, je dis ça comme ça. Sur le fait de, j'achète des cahiers, je le prends, pas radin non plus, de différents styles, je me prends la tête, faut que ce soit comme ci, soit comme ça, de toutes sortes de tailles, toutes sortes de modèles. Mais le truc en fait que j'ai, qui bloque, que j'ai eu là, le gimmick là, bon, je vous dis, on est le 13 septembre 2012, il a commencé à écrire justement dans la nuit, début de matinée. Voilà, moi, le problème que j'ai là, ça fait un moment. Hein. J'achète des cahiers, je tape aussi sur le téléphone, là, normal, bloc-notes, ça aussi. Mais on dit que c'est bon de faire les deux, ou l'un ou l'autre. Après, c'est en fonction de ce qu'on prépare dans nos projets, où on veut venir, où on veut en advenir plutôt, dans nos approches. Moi, c'est vaste, doué de rien, bien sûr. Et je ne vais pas vous donner les thèmes et significations. Bon, ceux qui me connaissent savent. Depuis le temps à peu près que je me mélange, mes rapports dans plusieurs trucs sur YouTube. Après, là, dernièrement, je fais des préparations, des mises en série, des choses comme ça que j'ai annoncé, que je n'ai pas nécessairement respecté. Bref, ça n'a pas de souci pour me dire un commentaire, je vais dire comme ça. Mon souci, c'est voilà, comme je disais, j'achète des cahiers, je prends des trucs, ça fait un moment là. Tout ça, il y en a encore, hein, il y a pas tout là, c'était sur le moment. Et moi, c'est pour mettre ça au propre, c'est parce qu'un cahier, dans les choses que j'ai lues et que je sais plus ou moins aussi, c'est qu'il faut pas hésiter à faire des ratures, cocher, rayer, quoi, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend. Là, j'ai écrit quelque chose, c'était cette date-là, ce 13 même là. J'étais aujourd'hui là, on est 13, ouais, septembre 2022. J'ai gravillé, en fait, c'est pour écrire. Parce qu'au début, je me suis dit, même pour les langues, pour n'importe quoi que j'écris, hein. Voilà. C'est pour faire ça proprement. Tu vois, je me dis, j'appuie, je commence quelque chose. Est-ce que je vais le faire bien? C'est-à-dire, voilà, je vous montre un exemple, là. Parce que, normalement, je ne vais pas me prendre la tête sur le, enfin, oui et non, sur l'écriture. Après, c'est plutôt pour moi, ça. C'est pas un truc que je vais envoyer. C'est pas, je tape sur Google, Bip, Map, OneNote, peu importe ce que tu veux. Et après, je l'envoie. Là, c'est des notes pour moi. Donc là, ce que j'ai gratté, là, je ne vais pas montrer le sujet. C'est pour montrer un peu par rapport à l'écriture. Voilà. L'écriture, là, il paraît propre, lisible parce que je me suis appliqué pour. Je me suis appliqué. Bon. Donc, sachez, on ne voit peut-être pas très bien, mais bon, voilà. Donc là où je veux en venir, c'est que j'écris des choses, je vais mettre encore un autre vite fait, je commence, après, bon là c'est un peu, ça paraît propre, vous voyez pas trop les ratures là,
C'est pour dire que dès que je prends un cahier, hein, justement, je suis censé faire des ratures, gribouillages, écrire comme des fois je le faisais, je continue encore en petit, en gros, à ma manière, quoi, peu importe. L'essentiel, c'est avant tout, c'est pour moi, c'est moi qui le lis, c'est pour moi-même, pour mon avenir, pour plus tard. Après, si je le partage aux autres, c'est un autre souci. Comment l'autre il va voir ça, il va prendre ça, il va dire t'as mal écrit, t'as mal fait, quoi que ce soit, ça c'est notre histoire. Mais c'est pour dire que là, suite à cette vidéo-là et que je l'ai commencé hier, ça veut dire maintenant il faut que j'arrête de acheter des cahiers et commencer à écrire justement et dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire blablabla. Et moi je commence direct à faire en fait écrire proprement direct, propre comme ça. Voilà, je fais ça direct. Voilà. Il faut que j'arrête un peu, sinon mes cahiers vont rester achetés, vont rester remplis, vont rester comme ça, et les pages vont pas se remplir comme ça. Parce qu'en vérité, tu vois, en fait, enfin, tu dois le savoir, est-ce que tu écris sur ton portable? T'écris, mais c'est pas pareil. Là, je m'applique sur son téléphone, je vais pas les ratures, je vais pas tous les trucs pour apprendre des choses, pour mémoriser, pour, tu vois, en fonction de ce que c'est, quoi. Je me rappelle un petit peu, je te dis ça comme ça sur le coup, quand on était à l'école, on faisait moi à mon temps, les années 90, des punitions. Genre, je vais copier 100 fois. Je ne dois pas taper, je ne dois pas cracher, je vais arrêter de. Il ne faut pas, je vais faire mes devoirs. Je vais. Je crois que je me rappelle, le proviseur, il me disait, plus ou moins, ce que je retenais en grosso modo, c'est que c'est comme ça que c'est le travail qui rentre. Comme ça vous permet, ça te permettra dans l'avenir de ne pas recommencer, d'éviter, de te comporter bien, d'être toi, quoi. Oui, ça a joué un peu son jeu, mais ça j'ai glissé comme ça sur le coup. Là, c'est l'écriture, c'est le. Après, voilà, bon, je vais sur un feu de bon. En préférence, je peux avoir des bons stylos, mais je les paye pas comme ça. Cette fois, c'est des stylos que j'ai trouvés. Comme ça, des bons stylos, plus ou moins. Sinon, tu vois, j'ai des trucs de bas de gamme. Stylos, je suis pas trop crayon en papier, des machins comme ça à la base. Voilà. Hein. Donc, ça me tenait à cœur, je le rappelle, d'avoir parlé de ces choses-là. Maintenant, ce que je vais faire, bah, quand j'écris, s'il y a des, si c'est raté, c'est raté. Si j'écris gros, j'écris petit, comme ça, bah, j'y vais, j'y prends. Voilà. Là, c'était un petit pincement que j'avais au fond de moi pour vider ça, pour vous l'échanger, pour vous le dire là. Maintenant, c'est fait, c'est fait. C'est pas la vidéo ne résume pas toutes les écritures, tout ce que je vais faire. Là, voilà, les cahiers, on les a montrés. Il y en a deux d'autres, je disais. On verra bien. Voilà. Maintenant, j'écris. J'écris et puis je remplis. Et puis on verra dans l'avenir si. Là, je vous publierai d'autres trucs en fonction de la chaîne et des thèmes. De toute façon, je vais continuer à travailler, à m'organiser. Voilà. Bon, je pense avoir tout dit. Voilà. Bah, bon courage à vous tous, tous ceux qui travaillent, qui écrivent, qui préparent leur projet. Structurez bien vos choses et prenez exemple entre les téléphones et les cahiers et la taille, la performance. Les catégories, petit carreau, grand carreau, bon, moi j'ai pas un mélange. Tenez compte de ces choses-là. Voilà, je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Eh ben, vos commentaires, vos likes, vos partages si vous voulez. Ça me fera du bien. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse très très fort. Et à la prochaine. Bisous, amiga. C'est à plein de temps. Ciao.